14 ans, j'ai fait le pré-apprentissage. Je suis tombé dans un garage où forcément j'étais intimidé. On est tout jeune, on arrive là-dedans. Fait bon. Limite, je rasais les murs, quand même pas, mais pour donner une image un petit peu. Puis au final, ça se passe parce qu'on voit que certains patrons ou certains employés, bah, ils nous prennent au sérieux, donc ils nous mettent en confiance. Après, j'ai fait 2 ans d'apprentissage en carrosserie réparation. J'ai eu mon CAP. Ensuite, j'ai fait un bac pro en 2 ans. J'ai sauté une année de bac pro puisque c'était un nouveau programme, bac pro 3 ans. Mais ça, par contre, c'était pas en apprentissage, c'était au lycée. Donc après, j'ai fini mon bac pro, j'ai eu pareil le bac pro. Et là, j'ai fait CAP peinture cette année. Pareil, bah, je viens de le finir il y a une dizaine de jours. Puis bah, au final, j'ai mon diplôme aussi. C'est toujours valorisant, parce que la plupart des gens leur parlent de l'apprentissage. Ah, ils n'ont pas été bons à l'école, ils iront jamais loin dans leur vie et tout. Alors que ça ne veut rien dire du tout. Au final, on a un métier, des fois même avant les autres, ceux qui ont poursuivi un cursus normal. Et au final, ils vont mettre beaucoup de temps à trouver, alors que nous, ce sera quasiment déjà fait, quoi. On sait déjà quoi faire, on a déjà un petit carnet d'adresses. On a un autre regard sur la vie aussi, parce qu'on a tout de suite été mis dans le bain. Ah, c'est que valorisant l'apprentissage. L'inconvénient, je sais pas s'il y en a en fait, honnêtement. Peut-être quand on est petit, si la seule chose à quoi on pense quand on a 15-16 ans, qu'on a un apprentissage, c'est qu'on n'a plus les vacances scolaires. C'est le seul truc auquel on pense. Mais après, l'apprentissage, c'est bien parce que ça nous fait évoluer aussi mentalement, ça nous fait grandir. Ça nous fait voir comment il est le monde extérieur et tout, pas que à l'école ou à la maison. Ça m'a assuré d'être pris où j'étais en CAP. Ils voulaient déjà me garder, mais ils ne savaient pas trop, parce que normal, j'étais qu'apprenti. Avec le titre, ils ont tout de suite eu plus confiance en moi. Puis là, au final, bah, j'ai signé un CDI, quoi. Donc c'est nickel. Puis à long terme, ouais, dans le CV, ça, c'est un plus quand même. On arrive dans un garage où le patron il est un petit peu hésitant et il voit au final le meilleur apprenti d'Île-de-France. Ah bah peut-être que lui je vais le prendre. Il est peut-être plus sérieux, plus appliqué et tout. C'est que du plus. Je viens d'avoir juste 21 ans. Je signe un premier CDI. Donc pour le moment, l'avenir je le vois bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bah après, il faut monter en grade. Il faut essayer de gravir les échelons, puis avoir une bonne petite place après, quoi.